Salut à tous, salut les abonnés. Alors aujourd'hui, vidéo retour de shopping. Donc il va y avoir deux vidéos parce qu'il y a du multi-fabricant. Et bah, comme il n'y a plus de brocante, je fais les magasins. Et voilà. Donc on va voir ça tout de suite après l'intro. Allez, à tout de suite. Alors, on va commencer tout de suite par une Hot Wheels. Une Hot Wheels que je vous ai déjà présentée en rouge. Et ce coup-ci, je l'ai trouvée en jaune. Voilà, donc ça, c'est un modèle qui va devenir, je pense, recherché plus tard. Enfin, il ne sera pas rare du tout, mais je pense que ça va faire comme la Volvo de chez Majorette. La Volvo Break, la fameuse 245, ça va être aussi recherché. Hop. Elle est très jolie. Bon, elle a ses petits rétros. Sur le pare-brise, il n'y a pas les essuie-glaces, j'ai pas l'impression. Non. On a les feux arrière. On a le marquage Volvo. Un châssis de la couleur de la carrosserie. Et une face avant qui est pas trop mal. Il n'y a pas de chrome sur la calandre. Mais bon, elle est plutôt sympa. Elle est plutôt sympa. Alors ensuite, on va changer de fabricant pour aller sur du Matchbox. J'ai trouvé. Bah, vous avez vu dans mes petites scènes du magasin, normalement j'ai dû les mettre sur la vidéo, tout ce qu'il y avait dans ce magasin. Et donc j'ai investi dans du Matchbox.
série France. Alors j'ai pris celle-ci parce que la couleur me plaisait bien. Cette petite cox. Je vais l'ouvrir, mais pas tout de suite, pas comme ça. Je vais essayer de l'ouvrir proprement pour garder le blister. Et la deuxième, parce que j'en ai pris une deuxième forcément, celle qui est vraiment représentative, voilà, de la série France, la DS. Alors pareil, je vais l'ouvrir pour vous la montrer, mais je vais essayer d'ouvrir ça proprement. Allez, je fais une petite pause. Voilà, alors on peut voir ces jolies voitures. Au niveau des peintures, elles sont pas mal. La Volvo, elle est vraiment bien. J'ai pas vu de défaut de peinture. La DS, c'est pas mal non plus. Hein. Le noir est bien profond, ça brille bien. En ce qui concerne la Cox, la peinture, elle est un petit peu épaisse. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont rajouté une tempo au-dessus qu'ils avaient mis plus de peinture? Je sais pas. Elles sont pas mal du tout. Hein. Juste les jantes qui me dérangent un petit peu. Sinon, le reste, c'est pas mal. C'est pas mal. L'intérieur, il est bien fait aussi. Ouais, ça a l'air d'être très très fin à l'intérieur. Les feux avant sont très bien faits aussi. Et l'arrière, bah il est beau. Hein. Juste la plaque là, c'est pas top top, mais bon, voilà, ça reste une miniature. C'est du 1,64. On va pas non plus demander l'excellence, mais elle va avoir une très bonne note quand même celle-ci. Voilà. Alors, pour la suite, voilà, j'ai besoin de prendre un petit peu de hauteur. Il s'agit d'un coffret. Un coffret Matchbox. C'est mon premier. Et là, j'avoue que quand j'ai vu ces wagons, comme ils appellent ça, donc ces breaks, j'ai trouvé ça extra. Donc, on va les découvrir. Alors, on a celle-ci, une Oldsmobile qui est magnifique. Elle a vraiment un look typiquement américain. Ils ont mis des chiens derrière. Là, on a un très joli décrochement là. Avec Oldsmobile Vista. Voilà. Ensuite, on va voir celle-ci. Bon, qui est nettement moins jolie, mais quand même. Hein. Enfin, moi, j'aime un petit peu moins. Qu'est-ce que c'est ça? Une cheville. Une cheville. Bon. Voilà.
Très joli aussi, mais bon. Alors là, c'est un peu plus moderne. Même beaucoup plus moderne, hein, finalement. Ça, c'est une Cadillac CTS. Je l'ai en 1,43 mais en berline. Je savais même pas que ça existait en break. Ensuite, on a celle-ci. Pareil, typiquement américain. Des années 70. Ford Fairlane 1964. Bon, ouais, j'ai dit 70 et même 60. Très belle peinture aussi. Là, Matchbox, c'est quand même belle qualité. Hein. Ça manque un petit peu de tempo, mais bon, pas mal. Et là, une très récente, c'est un peu intrus dans ce coffret, mais je suis super content de l'avoir. Une très très belle finition. Ils se sont bien appliqués hein, sur celle-là avec une peinture mate. Je vais pas dire de bêtises. Qu'est-ce que c'est comme modèle? RS6 avant. Ouais, donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Pour ce retour de shopping, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez préféré comme voiture. Et puis, je vous dis à bientôt pour la deuxième vidéo du shopping. Allez, salut!